Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un match entre deux équipes qui sont intéressantes habituellement. Bon, clairement, ça aussi. La Rochelle, c'est plutôt bon cette année, ça semble être bien parti. Donc La Rochelle, clairement, un match intéressant. On va jouer avec La Rochelle qui est moins bien notée. Et on va y aller, on va y aller. Est-ce qu'on regarde vite fait l'équipe au cas où? Parce que si encore Ratez, voilà, il est plus censé être là. On va mettre Mouri Valou non plus, il n'est plus censé être là. Est-ce qu'on peut mettre Aguillon et Gabriel là? Est-ce qu'on... Attends, on va regarder, vite fait. Non plus, il n'y a plus Alexis Balès. Ouais, peut-être Senzel comme ça. André à l'arrière, Senzel hein, sur une aile. Ouais, je suis pas fan, mais bon, ça a pas mal tourné, on voit. Ah, il y a Jules Plisson, il a été mis. Ils ont mis à jour quand même ça, c'est plutôt cool. Jules Plisson que j'aime beaucoup. Bon, voilà. On n'a pas Botia d'ailleurs, là. Je suis étonné, je vois pas Botia. Où il a été mis en 8 en troisième ligne? Non. Bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi il n'y a pas Botia. Bon, là, notre équipe. Écoutez, on va voir. On va se lancer de suite dans le match. La Rochelle, clairement, en tout cas, un match intéressant de ce week-end. La question, quel entraîneur détient le plus grand nombre de titres en Coupe d'Europe? C'est évidemment Guinoves. Hein, voilà. Après, attention, un mec comme Mark McCall n'est pas si loin que ça. Hein. Il est à 3 Coupes d'Europe, donc il pourrait le rattraper. Alors, pas l'année prochaine, vu que les Saris seront en deuxième division, mais dans le futur, Mark McCall, il est encore assez jeune. Il pourrait, dans pas si longtemps, rattraper ce record Kaginoves, qui est impressionnant, hein, mais... Sait-on jamais. Allez, en attendant, Antonio. Allez, Jules Plisson, qu'on a décidé de mettre, sauf qu'on perd la balle dans ce ruck. Par contre, on récupère la balle de suite. Geoffrey Doumerou. Ah mince, on a laissé Jolmes qui est maintenant à Toulon, je crois. C'est pas grave. Allez. Allez, oh ben Geoffrey Doumerou dans l'axe, on a essayé de retrouver, mais c'est pas grave, même sens. Allez, Aguillon qui arrive à trouver Grégory Aldrit. Et Aldrit a bien stoppé, mais on conserve. Vas-y, oh, Jules Plisson dans l'intervalle. J'ai voulu faire, peut-être que c'est pour ça qu'il a fait en avant, j'ai voulu faire une petite passe après contact, et malheureusement... Jules Plisson a explosé le ballon au contact. C'est dommage. Alors quand je regarde comme ça, c'est parce que je regarde si c'est fluide, etc. L'image que je vous... Il n'y avait pas de hors-jeu ou c'est contré ou je ne sais pas. Allez, Sazi. On essaie d'envoyer, mais c'est pas très bien fait ça. Allez, là il y a encore quelque chose à faire. Voilà, allez, Senzel. Senzel, la petite jeu au pied à la course. Ah, ils s'en sortent bien. C'est un jeu direct en touche, ça, pour moi, voilà, du côté clermontois. Voilà. Allez, la feinte est passée, on peut lancer tranquillement. Ah non, ouais, c'était pas direct. Plisson, allez, Doumerou, retire, un crochet. Qui a fait sa première sélection avec l'équipe de France face à l'Irlande, il y a peu. Ah non, mais non, il a pas été... Si, il était remplaçant, je crois. Oh, je sais plus. Ah non, peut-être pas. Je suis en train de vous dire n'importe quoi. Côté anglais, je sais qu'il y a eu la première sélection de Oli Turley, mais... Côté des alliés... Allez, on va jouer... Voilà. Ah, il est pas mal ce jeu au pied. On va pouvoir aller mettre une bonne pression. Tente la passe au pied. Ça pourrait être bien hein, s'il arrive ensuite à envoyer de suite, mais pour l'instant on colle hein, et on va récupérer une bonne touche à quoi, même pas 10 mètres je pense, voilà 10 mètres. Allez. Ah mais elle est pas pour nous, par contre j'ai été tourné, on l'aurait contré la balle, le jeu au pied. Je demanderai bien l'arbitrage vidéo, messieurs. Ça change pas mal de choses, parce que ça fait qu'on va se retrouver, voilà. Ouais. Mais on a plus de touches pour nous.
C'est une blague? C'est bugué. Les gars, on a un bug. Arbitrage vidéo, on se fait. Ça veut dire qu'on va plus. Je sens qu'on va plus avoir aucune touche pour nous jusqu'à la fin du match. Allez, Jérémy Senzel. C'est pas grave, on va essayer. Allez, on retrouve Doumerou. De nouveau Senzel. Allez. Allez, il faut du soutien là. Voilà. Allez, dernier priso. Jules Plisson. C'est pas mal. Enfin, si c'est même sens. Les passes sont pas bonnes. Aïe 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 aïe. Est-ce que ça. Oh, on est même. C'est terrible. Ah, il faut jouer au pied, je pense. On insiste même sens, mais c'est dangereux là. Hein. Va, on va jouer au pied. On va jouer au pied. Avec Joel Mess, super. On va trouver la touche. C'est terrible, cette mauvaise passe. Cette mauvaise passe vient de nous coûter. Oui, la passe, hein, ou le mauvais alignement dans notre ligne d'attaque en tout cas. Alors qu'on est en passe de marqué, ben voilà, on est. On a eu chaud. Bon, on peut-être. Quoique, attention là. Je mets personne dans le ruck. On essaie de bien suivre défensivement. Voilà. Ça va être la mi-temps. Attention de ne pas te faire pénaliser. La Vito qui est à la limite. Hey, Geoffrey Doumerou qui arrive à intercepter. Oh, on n'aurait pas dû la jouer. Ou si. Non. Je regardais s'il y avait moyen de passer sur le petit côté en profiter. Sinon, c'est la mi-temps. Peut-être que ça va annuler le bug de la touche. C'est espoir hein, qu'on arrête de se faire voler de ce côté-là. Allez. Jules Plisson, le jeu au pied. André repositionné à l'arrière. Bon jeu au pied. Oui, il est bien, il est bien. Et ils vont. Alors là, on va voir. Là, c'est sûr qu'on l'a pas contré. Hein. Attention, est-ce que ça. Ah, on a de nouveau les touches. C'était quand même un peu inquiétant. Voilà. Allez, allez. Même sens, Plisson, Aguillon, voilà, allez Arthur retire, peut-il le faire, le crochet, arrêtez, on est à 5 mètres de la ligne, Sazi, Jules Plisson, allez, dernier priso, non, non, j'ai hésité en fait, je regardais, mais si c'était Jules Plisson positionné en dropper, pourquoi pas, mais là... Je sais pas où est Jules Plisson. Allez. Là, Jules Plisson, attention. Oh, c'est monté tellement vite. Allez, retire, il faut. Ah, il fallait gagner le face-à-face là. Hein, là. Ouah, et non. Fallait gagner à tout prix le face-à-face. C'était pas bon choix hein, ce côté-là. Et à la place, elle est clairement toi qui relance. C'est direct, c'est direct en touche. Hein. Pas la jouer rapidement parce que. C'est ça, c'était bien direct, on avait raison. Aguillon qui vient choper cette. Mais c'est quoi ces passes? Aïe 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 aïe. Ouh là, il y a danger là. Oui, il y a danger. Attention à la course. André qui vient sauver la maison clermontoise. Allez. Aïe 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 aïe, obligé d'aplatir, mais il est à 5 mètres à défendre les gars. Alors j'ai pas envie de vous proposer de nouveau un 0-0, mais j'ai pas envie de concéder un essai donc voilà, mais c'est vrai que hein, on n'a pas réussi le drop, c'est monté très vite. Hein. Ouais non non, la mêlée on n'arrive pas. Et là attention, il va falloir défendre. Voilà, allez, 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 allez. Ah, là en avant. On a tenu les gars. Allez, Kevin Gourdon qui devra rentrer à la place de Liebenberg, mais c'est au prochain arrêt ça. Alors est-ce qu'on tente...
Attention, attention les gars. Oh non, c'est pas possible. C'était pas le moment. On va perdre la balle. Incroyable, incroyable. Ça c'est. Oh, ça va être difficile là. Aïe 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 aïe. Terrible cette mêlée perdue là. Mauvais réflexe. Et là. Bon, on peut aller chercher le match nul. Il va falloir aller marquer un essai à transformer. Hein, parce que là, Camille Lopez, il va pas se rater. Ouais. Oh, oh, c'est pas mal ça. Ils se sont un peu ratés. On peut peut-être un... essayer. Allez, de mettre une bonne pression. Attention. C'est direct en touche ça, il était sorti de C22. Donc ben voilà, on va voir hein. Quasiment l'entrée des 22 mètres. Allez, Jules Plisson, le soutien. Mais c'est terrible, mais c'est quoi ce positionnement là d'Arthur Retière sur son aile. Ouais, et cette fois-ci, c'est un bon jeu au pied. Wondreux, il est isolé. Je sais pas trop quoi faire là. Je suis obligé de jouer au pied hein, là. Il reste un peu de temps, un tout petit peu hein, mais si on peut voler cette balle, c'est un bon jeu au pied qu'on a eu là. Allez. Allez, on a bien timé. Là, c'est le moment, les gars. Voilà, allez. Et pourquoi pas. Mais non, mais attends, on a un souci avec Retière, là. Il est positionné comme un jambonneau, là. C'est injouable. On a un ailier qui est jamais placé. Ça sent pas bon, les gars. Oh, Vito qui intercepte. Allez, 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 allez. Ouais, Senzel qui avait cassé le plaquage sur Raka. Allez, Arthur Retière. Ouais, on a 80 mètres. Hein. On va essayer de le faire, hein, mais bon, il y a des chances que ça parte à un essai Clermontois. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. J'ai mal là, c'est compliqué. Ouais, bon. Bon, la victoire de Clermont à La Rochelle, je pense pas. Honnêtement, vu la forme de La Rochelle en ce moment, je dirais que non. Mais bon, sait-on jamais. J'espère que ça vous a plu, en tout cas cette vidéo. Qui a reçu le prix du meilleur joueur de la Coupe d'Europe? Je crois que c'est Nakara, ouais, c'est ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, bon week-end rugby à vous. Et à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.